Bonjour à tous. Merci à Philippe Bailly de son invitation pour participer à cette édition 2019 du colloque NPA Conseil, Le Figaro. C'est un rendez-vous donc qui fête ses 15 ans cette année et qui nous invite donc à nous projeter dans les 15 ans à venir. Alors, avant de se projeter dans l'avenir, il est toujours intéressant de faire un peu d'archéologie, notamment d'archéologie administrative, un sport que j'aime bien. Et puisque l'heure est aux rétrospectives, j'ai eu la curiosité de regarder les interventions prononcées par mes prédécesseurs, ici même. C'est un retour qui est assez instructif, en réalité. Alors, j'ai observé, par exemple, qu'il y a 15 ans, en 2005, Dominique Baudis évoquait au sujet de la révision de la vieille directive européenne Télévision sans frontières la nécessité d'intégrer à la régulation les services non linéaires de télévision. En 2007, Michel Boyon a avancé l'objectif, je cite, de permettre aux opérateurs de prendre le virage d'une économie numérique créatrice de richesses. Et puis, en 2013 encore, Olivier Schramegg demandait qu'on privilégie la régulation à la réglementation. Alors, à écouter ces thèmes, on serait tenté de se dire que les mots d'ordre qui sont ceux du CSA depuis 15 ans n'ont guère été entendus et qu'ils seraient peut-être appelés à demeurer des vœux pieux. Mais en réalité, ces enjeux qui sont évoqués depuis une quinzaine d'années sont aujourd'hui en train d'aboutir à des évolutions tout à fait concrètes. En l'espace de quelques mois, et ce n'est pas banal pour le vieux serviteur de l'État que je suis, je crois que j'ai rarement observé cela, ce ne sont pas moins de quatre interventions majeures qui interviennent dans le secteur, et singulièrement pour notre institution. Une directive européenne, et puis trois textes de loi qui vont intervenir ou qui sont intervenus, qui confirment que les règles qui encadrent le secteur des médias audiovisuels sont, je serais tenté de dire, enfin, en passe de s'adapter aux mutations rapides et massives des supports, des formats et des usages. Pour tous les acteurs, pour l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, et accessoirement pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce sont plus que des évolutions significatives, c'est en réalité une véritable mutation. Et cela sans même évoquer les nouvelles compétences qui pourraient nous revenir, si j'ai bien entendu, comme la protection de l'enfance et de la jeunesse face aux contenus pornographiques sur Internet, sujet sur lequel le président de la République s'est exprimé pas plus tard qu'hier à l'UNESCO. Alors, la première étape de ce mouvement, vous le savez, est intervenue en 2018, donc avec l'adoption de la nouvelle directive SMA. Son apport est essentiel avec l'intégration des plateformes internationales de vidéo à la demande à la régulation, afin qu'elle contribue à la création audiovisuelle et cinématographique selon le pays qu'elle cible. Il s'agit d'une entaille limitée, mais quand même significative au principe du pays d'origine qui est posé par la directive e-commerce, dont certains commencent à évoquer la révision. Des mesures sont également prévues à destination des plateformes de partage de vidéos qui, nous le savons tous, se sont imposées chez les jeunes comme un des principaux modes d'accès au contenu. La deuxième étape, intervenue en 2018 également, a été la loi dite anti-infox, qui s'impose aux plateformes de partage de contenu et notamment aux réseaux sociaux, qui leur font obligation de coopérer avec le Conseil supérieur pour lutter contre la manipulation de l'information. Ces opérateurs sont appelés à mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs visant à prévenir la propagation des infox. Et comme l'y invitait le législateur, le CSA a mis en œuvre cette loi dès les élections européennes de cette année en leur adressant ses recommandations. Et nous serons naturellement appelés à superviser leur mise en œuvre et à en rendre compte publiquement chaque année par l'intermédiaire d'un rapport au Parlement. Tournée vers les mêmes opérateurs, troisième intervention, la loi sur la haine en ligne, qui est portée par la députée de Paris, Laetitia Avia, prévoit notamment de confier au CSA une mission de supervision des obligations de moyens et de résultats qui seraient imposées aux plateformes dans une optique de lutte contre les contenus haineux. Cher à vous, Philippe Cohen. Adopté cet été par l'Assemblée nationale, ce texte arrive en décembre au Sénat. Et enfin, pardon Jacques Toubon, last but not least, une nouvelle étape va être franchie avec le projet de loi audiovisuel. C'est un texte très attendu, beaucoup appelé depuis longtemps à une réforme d'envergure. Nombreux rapports du Parlement, de la Cour des comptes, parlant de ce délit d'initié, de l'autorité de la concurrence, en passant bien sûr par les demandes et propositions récurrentes des acteurs et de nous-mêmes, du régulateur.
Actuellement, en cours d'examen par le Conseil d'État, le texte devrait être présenté en Conseil des ministres début décembre pour une première lecture à l'Assemblée nationale à partir de la deuxième quinzaine de février. Alors, conformément à la loi de 86, le Collège du CSA a récemment rendu son avis sur l'avant-projet de loi après avoir procédé à de nombreuses auditions. Cet avis a été transmis au gouvernement. Il devrait être rendu public vraisemblablement en tout début de semaine prochaine. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, dans cet avis, le Collège observe que le projet de texte modifie de façon très substantielle la loi de 86, une loi qui, bien que modifiée à de nombreuses reprises, n'avait pas véritablement fait l'objet d'un réexamen d'ensemble qui était pourtant devenu indispensable à tous égards. Schématiquement, les objectifs fondateurs de la loi sont confortés. La régulation garde sa philosophie d'ensemble, développement économique, défense du pluralisme, soutien à la création et contrôle des engagements sociétaux qui s'imposent aux médias. En revanche, l'organisation de la régulation, mais surtout son champ et ses modalités, se transforment pour s'adapter aux mutations très profondes que j'évoquais à l'instant. C'est une nouvelle étape tout à fait majeure pour la régulation des médias audiovisuels, désormais étendue à la communication numérique. De ce point de vue, l'appréciation d'ensemble du CSA sur ce projet de loi est donc globalement positive, pour reprendre une expression bien connue. Évidemment, comme c'est l'habitude pour ce type de texte, nous formulons de nombreuses remarques techniques sur des points particuliers. Nous formulons des propositions d'ajout, de clarification, de simplification. Mais cela ne remet pas en cause notre appréciation d'ensemble. Alors j'entends naturellement celles et ceux qui s'expriment en ce moment pour dire que les choses ne vont pas assez vite, ne vont pas assez loin, qu'on ne donne pas suffisamment d'oxygène à des opérateurs qui en ont incontestablement besoin face, je veux le souligner ici, à une onde de choc dont nous n'avons pas fini de mesurer les effets. Je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience. Que les asymétries qui ont été pointées par l'autorité de la concurrence ne sont pas suffisamment résorbées. Quoi de plus normal, en définitive, à la veille d'une réforme de cette ampleur et d'un débat parlementaire, que d'entendre s'exprimer les points de vue des uns et des autres? C'est l'essence même de la démocratie. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue pour autant, et ça je le tiens à le souligner ce matin, que la concrétisation de ce texte constitue d'ores et déjà une avancée importante. Et la discussion du texte au Parlement sera, je n'en doute pas, l'occasion d'évolution d'amendements. Si j'en crois ma trop longue expérience maintenant, en ces matières, je peux employer cette expression, on sait dans quel état on entre au Parlement, on ne sait jamais vraiment à l'avance dans quel état on va en sortir. S'agissant de l'avis que le CSA a rendu, il y a plusieurs points sur lesquels nous insistons. Le point central du projet, vous le savez, c'est le soutien à la création avec deux chantiers principaux, l'entrée dans la régulation des nouveaux opérateurs et la simplification du régime de contribution des chaînes. La France sera un des premiers pays à transposer la nouvelle directive SMA et le CSA se réjouit que des obligations de soutien à la création puissent désormais être imposées à tous les services qui ciblent la France. Cela conforte notre modèle de financement de la création, fondé notamment sur le respect du droit d'auteur. Le réseau des régulateurs européens, donc l'ERGA, au sein duquel le CSA est très impliqué, jouera à cet égard un rôle essentiel. Nous y tiendrons naturellement toute notre place. Je rencontre dans quelques jours mon homologue allemand qui prendra la présidence de l'ERGA l'année prochaine. Et nous avons une assemblée générale de l'ERGA qui est prévue début décembre sur cette question. Et bien évidemment, nous allons prendre, j'entends prendre la tâche de la nouvelle commission très prochainement pour évoquer ces sujets. Sur le régime de contribution des chaînes à la création, notre message ne vous surprendra pas, est qu'il faut moins de réglementation en donnant plus d'espace à la négociation professionnelle et plus de régulation, en faisant en sorte que le régulateur dispose d'un cadre juridique clair et des outils nécessaires pour conclure les conventions et pour agir si un opérateur ne joue pas le jeu. Ce schéma global de régulation nous semble plus adapté aux évolutions très rapides du secteur. On ne peut pas tout normer, même si c'est un travers français. On ne peut pas tout mettre dans la loi et dans les décrets. Laissons de l'espace aux accords interprofessionnels et à la régulation. Et dans la mesure où le projet de loi prévoit un décret, le fameux décret socle, ou décret supplétif, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, d'ailleurs ce qualificatif de supplétif, le Collège du CSA demande avec force à être très étroitement associé
à son élaboration. Un autre point important, la présidente Sybille Veil vient de l'évoquer, c'est la transformation de l'audiovisuel public. L'ambition d'un service public fort, indépendant et innovant est un objectif fondamental. Encore faut-il que la trajectoire financière soit à la hauteur de cette ambition. Sur ce point, le CSA s'exprime sans ambiguïté en faveur du maintien d'une ressource affectée. Car l'indépendance des entreprises du service public ne tient pas seulement à la gouvernance et au mode de nomination de ses dirigeants, qui est un sport très français, puisqu'à chaque élection d'ampleur nationale, la question est remise sur le tapis. Elle tient surtout et aussi à leur financement. Je rappelle que le Conseil constitutionnel en a fait un des critères d'indépendance de ces entreprises qui est reconnu par la loi. S'agissant de la création de la holding qui coiffera donc à l'avenir les 4 entreprises du service public, le message que nous passons est que ce choix du gouvernement ne conduise pas à créer un échelon administratif de gestion supplémentaire, ce que je serais tenté d'appeler la réforme à la française. Sa valeur ajoutée doit être dans le pilotage stratégique du nouveau groupe France Média. En d'autres termes, attention au millefeuille. Il y a par ailleurs des points que le texte à ce stade aborde assez peu, vous l'avez évoqué, je pense en particulier au secteur des radios, pour lesquels nous avançons des propositions, notamment pour mieux protéger, Madame la Présidente, leur contenu, alors que les podcasts connaissent un fort développement. De même, les opérateurs, vous l'avez évoqué, soulignent régulièrement, non sans raison, l'asymétrie entre les radios qui sont soumises à un régime sophistiqué, j'hésite pas à les dire, de quotas, puisqu'ils ont, la dernière loi de 2016, particulièrement raffiné le dispositif, et nous en savons quelque chose, puisque nous sommes chargés de contrôler son application, et heureusement, on a les plus grands experts mondiaux des quotas au CSA. Je pense et puis, les ventes de Doliprane chez les agents du CSA ont dû progresser, monter en flèche. Merci de prendre soin d'eux, en effet, en tout cas, j'y veille pour ma part. Et puis de l'autre, des plateformes qui, bien évidemment, y échappent. Alors nous suggérons d'abord d'imposer aux services de musique en ligne de communiquer des données de consommation aux régulateurs afin d'apprécier ce qu'est la consommation sur ces plateformes et de prendre la mesure de la problématique de la diversité ou de la non-diversité. Et cette donnée pourrait nous permettre ensuite de proposer des mesures probablement de droit souple, parce que l'idée de transposer des quotas sur les plateformes de consommation à la demande n'a pas de sens par nature. On écoute sur ces plateformes ce qu'on souhaite entendre, mais néanmoins, on sait que les playlists s'y développent beaucoup, et donc on pourrait concevoir, par des mécanismes de recommandation ou d'engagement volontaire, de prendre des dispositions pour encourager la création francophone. Et puis, nous attirons l'attention du gouvernement sur des enjeux qui vont devenir tout à fait décisifs. Je pense à la proposition de créer un cadre de régulation de l'accès aux données de consommation des programmes, afin que la richesse produite par leur utilisation soit mieux partagée entre les différents acteurs. Nous le savons tous ici, la donnée, c'est le carburant de l'économie numérique, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut une régulation moderne, emprise sur son temps, cela suppose qu'elle soit en mesure de réguler par la donnée et donc d'y avoir accès. Contrôler la mise en œuvre de la loi anti-fake news sans pouvoir accéder aux données des plateformes serait un exercice vain, pour donner cet exemple. Tout cela, combiné aux évolutions législatives que j'ai listées à l'instant, implique des évolutions dans l'architecture de la régulation. Et j'en terminerai là, donc avec deux points. D'abord, la fusion entre le CSA et l'ADOPI, que vous avez rappelé, donc au sein de l'ARCOM, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, pour donner naissance, et je crois que ça fait sens, un régulateur unique compétent pour l'ensemble de la chaîne de création, la protection des œuvres et la lutte contre le piratage resteront plus que jamais des missions essentielles. L'ADOPI s'est exprimé dans son avis sur les nouveaux dispositifs qui sont envisagés. Je ne m'y arrête pas, mais je pense qu'ils vont dans le bon sens. Ensuite, avec la coopération renforcée entre l'ARCOM et le gendarme des télécoms, l'ARCEP, grâce à des membres croisés, et une instance conjointe de règlement des différends, parce que nos interlocuteurs, notamment dans la sphère numérique, se recoupent grandement. Cette interrégulation accrue vaudra aussi avec des autorités aussi importantes que la CNIL, sur la problématique des données que je viens d'évoquer, ou encore avec l'autorité de la concurrence, deux autorités avec lesquelles nous avons des liens étroits et confiants.
et je mentionne aussi dans ce dialogue renforcé, je m'y attache depuis que j'ai pris mes fonctions, à une collaboration très étroite avec le CNC, qui est bien évidemment un acteur majeur du secteur au moment où notre modèle de financement de la création est en train d'évoluer. Si l'on y ajoute les nouveaux outils qui seraient confiés aux régulateurs en termes d'accès aux données, d'enquête ou d'échange d'informations pour être au meilleur standard des autorités publiques indépendantes, c'est un régulateur renforcé, conforté, qui devrait sortir de cette réforme. Même si, évidemment, je ne serais pas dans mon rôle si je ne l'évoquais pas, même si c'est douloureux pour un magistrat de la Cour des comptes, même si de nouveaux moyens seront inévitablement nécessaires pour remplir au mieux ses missions. Pour conclure et pour en revenir à notre point de départ, je ne me risquerai pas à prédire, désolé de vous décevoir, quelle sera la situation du secteur et de sa régulation en 2034, même si je suis preneur de votre avis. Car rien n'est plus dur, vous le savez, que de prédire l'avenir, singulièrement dans l'environnement dans lequel nous vivons. Mais une chose est sûre, l'occasion nous est donnée aujourd'hui. Si nous savons nous rassembler, dépasser nos particularismes et nous organiser autour des enjeux essentiels, d'adapter notre cadre normatif, de réunir nos forces, en particulier au niveau européen, pour faire face aux bouleversements, le mot n'est pas trop fort, qui s'annonce devant nous. Merci de votre attention. Monsieur le Président, peut-être si vous m'autorisez juste une question qui rebondit sur effectivement l'interview parue ce matin dans un grand quotidien du matin. Dans une des expressions les plus mesurées du texte, Monsieur Gilles Pélisson dit que la promesse de simplification n'est pas au rendez-vous. Et vous avez cité le cas de la radio, du dispositif de plus en plus sophistiqué mis en place en direction des radios françaises. Et la réponse, si j'ai bien compris, la réponse du CSA aujourd'hui, c'est de dire, bah, puisqu'on a mis beaucoup de chaînes sur nos acteurs locaux, essayons d'en mettre aux acteurs du streaming. Est-ce qu'un équilibre n'irait pas peut-être jusqu'à au moins revoir aussi le dispositif de 2016 ? Deux remarques sur le sujet de façon globale. La philosophie de la réforme, la philosophie initiale, c'est bien l'allègement de la réglementation, l'assouplissement de la réglementation, de privilégier la négociation interprofessionnelle et la régulation. Mais on voit bien au fur et à mesure où le temps avance, où le moment du dépôt du projet de loi vient, où le débat parlementaire vient, les réflexes naturels des uns et des autres se manifestent et donc la tentation de chasser le naturel, il revient au galop, de réglementer, reprend un peu le dessus. Donc le premier message qu'on fait passer, c'est privilégions le schéma initial. Nous devons préserver un schéma de régulation à l'avenir. On ne peut pas vouloir tout normer. Première remarque. Et nous y serons pour notre part très, très attentifs. Deuxième remarque, le sens du projet de loi, notamment vis-à-vis des plateformes de vidéo, les Netflix, Amazon et autres, c'est de rééquilibrer les charges entre les acteurs, de rétablir l'équilibre entre les plateaux de la balance. Et je pense que sur le secteur de la radio, vous savez qu'il y a une mission parlementaire qui vient de démarrer, on appelle une mission flash, sur la question des quotas, donc on va voir ce qui va en sortir. Nous-mêmes, nous sommes en train de mener des analyses sur l'effet des quotas, notamment sur le dispositif du bonus-malus, qui est, pour ceux qui ne sont pas experts mondiaux du sujet, l'un des raffinements supplémentaires qui a été ajouté au dispositif en 2007. C'est un dispositif globalement qui marche. Sybille Veil a eu raison de le souligner. La politique des quotas a eu son effet. Mais c'est vrai qu'on a cette situation de déséquilibre, d'où notre proposition de chercher à simplifier le dispositif des quotas, autant qu'on puisse le faire à partir d'une évaluation objectif des effets de ces dispositifs, et le CSA y apportera sa contribution par les études qu'il mène, et en même temps, voilà, de faire en sorte que sur ces plateformes de streaming qui sont un élément fondamental de la consommation maintenant en la matière, hein, que ce soit Spotify, Deezer ou YouTube, on aille vers un certain équilibre, mais sans charger la barque, c'est pour ça que j'ai parlé d'instruments de droit souple, d'engagement volontaire, plutôt de recommandations que nous pourrions faire en la matière. Merci beaucoup. Après. Merci.